Aujourd'hui, on aborde la question si difficile de l'historicité du jardin d'Éden. Comme chacun sait, le récit biblique du paradis des proto-parents, Adam et Ève, est en contradiction totale avec notre représentation moderne du monde, si bien que le jardin d'Éden appartient normalement seulement à la sphère du mythe, un mythe que la foi catholique considère être symbolique et révélé à titre de symbole. Nous ne nous arrêterons pas sur la signification du passage, nous arrêterons plutôt sur l'aspect historique, à savoir est-ce que réellement on peut seulement réduire à un mythe l'épisode du jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut le situer dans le temps, est-ce qu'on peut le situer dans l'espace? Il est vrai que le récit biblique nous pousse à l'irreprésentabilité des origines. En aucune manière, aujourd'hui, on est capable de lire le texte de manière à lui donner du sens, de manière factuelle. Ça ne peut pas nous empêcher de croire. On peut tout croire. Le problème, ce n'est pas de croire. Le problème, c'est de pouvoir expliquer, c'est-à-dire de pouvoir établir la continuité entre ce que l'on croit et puis ce que l'on vit aujourd'hui. Donc effectivement, si on aborde la question de l'historicité du jardin d'Éden, on doit réussir à établir un lien entre le récit biblique tel qu'il est et puis la représentation du monde d'aujourd'hui. Et pour ce faire, eh bien, il y a bien sûr des données qui appartiennent à la Bible elle-même qu'il vaut mieux prendre au sérieux, à savoir de s'en servir comme des fils conducteurs à partir desquels eh bien, on peut tisser une représentation acceptable du jardin d'Éden tel que la Bible nous en parle. Et comme ça, en tout cas, se libérer peut-être en partie du caractère d'irreprésentabilité du mystère de l'Éden. Alors, parmi les données bibliques fondamentales, évidemment, il y a les contraintes chronologiques. La Bible est truffée de notations chronologiques et de deux choses l'une. Ou bien on n'en tient pas compte du tout, et comme ça on est libre de penser ce qu'on veut, ou bien au contraire, on en tient compte, et alors on est obligé de s'inscrire dans une représentation de l'histoire que on connaît, plus ou moins. Et puis il y a aussi des contraintes géographiques. La Bible est, somme toute, assez précise. Malgré tout ça, comme vous le savez, il y a de nombreuses thèses. Vous pourrez sur Internet trouver différentes solutions à la question de l'historicité du jardin d'Éden. Pour ma part, je mets tout de suite les cartes sur la table. Moi, je suis un certain nombre d'auteurs, dont le chef de file dans les années 90 à 2010 est un certain David Rohl, parce qu'il me semble que c'est la représentation qui est la plus raisonnable, la plus acceptable et la plus riche qui soit. Donc tout d'abord, je vous rappelle que selon la Bible elle-même et selon les juifs, le monde a été créé
il y a 5780 ans. Ils ont fêté Rosh Hashanah il y a à peine un mois. Ce qui implique donc que, d'après la Bible et d'après les Juifs, Adam, le premier homme, a été créé en 3761 avant Jésus-Christ. Et donc le jardin d'Éden que nous cherchons doit se trouver dans cette fourchette temporelle. Si on accepte cette date, on est tout de suite confronté à la pire des contradictions. C'est-à-dire que ce que la Bible dit d'Adam ne peut pas correspondre à ce que nous savons de l'état de l'humanité au quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien parce que globalement, on a beaucoup de connaissances du quatrième millénaire. Et on sait qu'il y avait déjà des villes, qu'il y avait déjà une manufacture, un élevage, qu'il y avait de la métallurgie, et cela depuis bien plus longtemps que depuis 3761 ans. Et que donc la figure d'un Adam et Ève absolument nus et d'enfants qui inventeraient tous les arts et métiers à partir de 3761 ans est absolument impossible pour la science et improbable pour les croyants. Je fais la distinction dans le sens où un croyant pourrait refuser la science, mais alors il se trouve lui aussi ensuite obligé de se justifier. Et donc le calcul de la Bible et le calcul des Juifs ne peut pas tenir la route, en aucune façon. À moins de s'imaginer alors que toute la science est fausse et que tout a commencé à peine 3761 ans avant Jésus-Christ, ce qu'il faut écraser toute l'histoire de l'humanité sur 3000 ans, ce qui, pour l'instant, est absolument irrationnel. Ce qui vient nous libérer quelque peu de cette contradiction, c'est de savoir qu'en réalité, le calcul de la Bible et le calcul des rabbins n'est absolument pas absolu. En effet, nous avons plusieurs versions de la Bible. La Bible juive, la Bible des rabbins, la Bible que nous lisons en hébreu, c'est celle qu'on appelle la Bible massorétique. C'est le texte normalement, selon la légende, qui a été fixé après la destruction du temple, donc à la fin du 1er siècle, à Yamia, normalement, et puis ensuite qui a été aménagé pour la lecture au fur et à mesure des siècles. Et les massorètes sont les derniers à avoir équiper le texte de tous les moyens pour pouvoir le lire le plus clairement possible. Et donc qui a fixé aussi le dernier état du texte. Mais nous avons d'autres versions de la Bible. Nous avons deux versions plus anciennes normalement. Nous avons la Bible grecque, que l'on appelle la Bible de la Septante, qui elle est un produit du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, il y a la Bible des Samaritains, qui est normalement antérieure au texte massorétique. Et ces Bibles-là, elles-mêmes, donnent d'autres chiffres que le texte hébraïque massorétique. En sorte que on va avoir une latitude qui nous est donnée pour pouvoir poser Adam et Ève à une autre époque qu'au quatrième millénaire. En plus, nous avons des écrits anciens
qui eux aussi donnent d'autres chiffres. Les principaux, ce sont d'abord les écrits de Flavius Joseph, et puis ensuite d'un certain nombre de pères de l'Église, et ensuite les écrits de la mère morte découverts à Qumran. Tous ces textes, qui ne sont pas nécessairement le texte biblique, mais qui parlent du texte biblique, donnent d'autres dates. Chacun propose une solution différente à la chronologie antique. Pour nous arrêter au texte le plus ancien que nous ayons, c'est-à-dire la Septante, sachant que nous avons plusieurs versions de la Septante, qui elle aussi donne des petites variations. Globalement, le problème principal, c'est lequel ? C'est que dans le texte massorétique, le texte hébreu, au lieu d'avoir 10 générations avant le déluge et 10 générations après le déluge, il en manque une. Nous avons 19. Alors que toutes les autres versions ont 10-10. Donc un personnage manque dans la version massorétique, c'est un certain Kenan. Quand on sait qu'à cette époque, ils vivent 800 ans, ça change, parce que ça change quasi d'un millénaire. N'est-ce pas ? D'autre part, dans le texte massorétique, la deuxième dizaine donc de personnages, depuis le déluge jusqu'à Abraham, à chacun, il manque 100 ans par rapport aux versions autre. Il s'ensuit que donc si vous rétablissez le personnage de Kenan et vous rétablissez 100 ans à fois 10, c'est-à-dire 1000 ans à la chronologie, eh bien vous obtenez que Adam et Ève ont été créés en 5460 15 pour faire 11, soit 13, 78, enfin tout dépend après. Autour donc 5475. C'est le résultat donc du texte grec. Ça veut dire que c'est près de 1 millénaire et demi au-dessus de la date massorétique. Or là, pour le coup, on se trouve donc au début, au premier tiers du sixième millénaire. Et si on est au sixième millénaire, alors ce que l'on décrit d'Adam et Ève et de sa descendance, pour le coup, est tout à fait homogène à nos connaissances de l'humanité. Il est dit que Caïn construit des villes, effectivement, au sixième millénaire, nous sommes dans la période archéologique que l'on appelle le chalcolithique. C'est la fin du néolithique et le début du chalcolithique. Et c'est effectivement l'époque de l'émergence de villes. Attention, il y avait déjà des villes au sens de grandes constructions architecturales bien avant, notamment. Depuis 1996, on a découvert le fameux site de Göbekli Tepe, qui est une véritable découverte révolutionnaire, puisque on la situe au Xe siècle. La question est de savoir, est-ce que c'était une ville ou pas ? Ça, c'est une question difficile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons un site énorme, dont on n'a encore étudié qu'une toute petite partie. Mais par sonde et par photographie satellite, on sait que c'est absolument énorme. Et il s'agit là véritablement de construction architecturale extrêmement développée. Mais néanmoins, à part ce site-là, et comme je l'ai dit, on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une ville, il s'agirait peut-être seulement d'un sanctuaire. C'est-à-dire que les gens n'y vivaient pas, ils y allaient. Quelle raison ?
Et pourquoi ont-ils construit ça? En plus, ils l'ont construit, ils l'ont caché, ils l'ont construit, ils l'ont recaché, ils l'ont reconstruit. C'est assez compliqué, parce qu'il y a des strates. Donc c'est un grand mystère autour de Göbekli Tepe. En tout cas, le sixième millénaire, c'est le commencement des vraies villes. Donc, les villes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, non pas des villages, hein, ça veut dire des plans avec des rues, avec des murs qui sont tous mitoyens. Vous avez le système de ville où les gens marchent sur les toits, où il n'y a pas de rue. Vous avez plusieurs systèmes de villes, mais il s'agit de véritables constructions de villes avec des égouts, avec des infrastructures. Il ne s'agit pas du tout du village qui naît au petit bonheur la chance. Pas du tout. Donc le chalcolithique, c'est la naissance des villes. Et donc que Caïn, qui est le fils de Adam et Ève, construise une ville, c'est tout à fait logique. Je vous rappelle que dans la Bible, Caïn rencontre des femmes dont il n'est pas dit que ces femmes soient les filles d'Adam et Ève. Et puis il construit une ville, pas à Troie. Il construit une ville avec une grande population, nécessairement. Et que donc la Bible, dans son détail, ne nous dit absolument pas que Adam et Ève soient les premiers hommes de l'humanité, absolument parlant. Abel, son frère, lui pratique l'élevage. Alors ça aussi, l'élevage, eh bien nous on sait, il a été créé quelques millénaires avant, d'après en tout cas la conception de la chronologie des sciences. L'élevage est autour du 10 000. Et on le sait très bien parce que l'élevage impacte, pour parler moderne, les animaux, c'est-à-dire qu'ils se transforment. Donc vous savez très bien déterminer si vous avez un os d'un animal sauvage ou un os d'un animal domestique. Donc d'après les stratifications, on sait parfaitement quand apparaît l'élevage. Il en est de même de la culture. Caïn, d'ailleurs, est étonnant. Hein? Caïn est d'abord un agriculteur et ensuite il se met à construire une ville. On pourrait en discuter d'ailleurs. Il n'est pas sûr que ce soit Caïn qui construise la ville. Mais en tout cas, s'il est agriculteur, là aussi, ce n'est pas lui qui invente l'agriculture. L'agriculture, elle aussi, commence autour de 10 000, en tout cas dans le Levant. Et là, c'est pareil, parce que aussi les plantes qui sont sauvages et les plantes qui sont cultivées n'ont pas la même forme. Et donc, on sait très bien quand apparaît une forme liée à l'agriculture ou pas. Et s'agissant de Göbekli Tepe, et c'est ça le gros problème de Göbekli Tepe, il n'y a aucun animal domestiqué et peut-être est la première forme de blé cultivé. Donc Göbekli Tepe aurait été le lieu de l'invention du blé à manger. Mais avant le blé, il y avait une autre plante qui a été cultivée, c'est la bière. La bière a précédé le blé et a précédé le vin. Mais tout ça, ça se situe autour de 9000, enfin 10 000, 9000. Et donc Adam, s'il naît à 5475, tout ça, eh bien, l'a précédé. La Bible nous dit aussi que Tubal Caïn, qui est encore un descendant de Caïn, hein, travaille la métallurgie. La métallurgie aussi, c'est pareil, c'est l'époque proprement dite du chalcolithique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle chalcolithique, c'est-à-dire à cause de l'invention des métaux, chalcos, signifiant l'airain. Alors dans le texte, il est dit que Tubal Caïn ainsi que les autres sont pères. Les uns sont pères des flûtistes, les autres sont pères de la métallurgie.
De Tubal Cain, il est même dit qu'il est perfectionnateur de la métallurgie. Donc il est père et perfectionnateur. Le texte est un peu chaotique en hébreu, et c'est pourquoi il n'est pas sûr que vous trouviez cette idée-là dans vos traductions françaises, mais c'est à cause du caractère un peu chaotique du texte. Et du coup, être père ne veut pas dire nécessairement que c'est eux qui l'ont inventé. Ça veut dire que simplement, ils ont excellé. Et donc, une lecture historique de ces personnages, à l'époque du chalcolithique, est tout à fait raisonnable. Adam, Ève, naissent donc au sixième millénaire, et leurs descendants, Abel, Cain, Tubal Cain et d'autres, sont des hommes qui vont exceller, en sorte qu'ils vont être les pères des arts de leur temps. Mais ils ne les ont pas inventés, et ils ne sont pas, absolument parlant, les premiers hommes. Cela voudrait donc dire que notre approche de la Bible implique nécessairement de distinguer l'Adam théologique de l'Adam historique. D'habitude, on les confond, et d'où que l'on est prisonnier d'une foule de contradictions. Mais la Bible, en fait, nous impose de considérer que l'Adam historique et biblique n'est pas l'Adam théologique, l'Adam absolu. Alors, la Bible, pourtant, sous sa forme narrative, ne nous donne pas le choix. Elle nous présente la création d'Adam sous des formes qui n'ont rien à voir avec les procédés de génération que nous considérons être les voies naturelles. Et bien ça tient, oserais-je dire, au fait que la Bible elle-même, et c'est ça le problème, écrase deux figures. Un Adam absolu, un proto-Adam, l'Adam de la foi, avec l'Adam historique. Cela veut dire que la Bible suppose une conception cyclique de l'histoire. Il y a un Adam qui est le père de l'humanité ou le proto-homme et qui est irreprésentable, en tout cas pour nous, et auquel on ne peut accéder que par un langage symbolique, mythologique. Et puis, il y a un Adam historique auquel les Hébreux, les auteurs de ce livre, eux, se réfèrent. Autour du sixième millénaire, eh bien, il y a eu un nouveau commencement. J'ai bien dit un nouveau commencement, ça veut dire qu'il y a eu d'autres commencements qui, aujourd'hui, nous sont complètement perdus. Et au sixième millénaire, eh bien, il y a eu un nouveau commencement dont les auteurs de ce livre sont les descendants et dont nous-mêmes, jusqu'à maintenant, nous sommes les descendants. La conception cyclique du temps et de l'histoire était très prégnante dans les mentalités juives. En revanche, elle est assez peu prégnante dans la Bible. Ça, c'est aussi un autre problème. Si vous vous intéressez au judaïsme tardif, c'est-à-dire celui proche de Jésus, ce qu'on appelle la période après la Bible et avant le Nouveau Testament, la période intertestamentaire, vous les verrez établir des cycles à n'en pas finir. Ils sont en pleine pensée cyclique. Récemment, considérés les plus pieux, les Esséniens ou d'autres, sous la catégorie générale d'Essénienne, eh bien, cherchaient à établir les cycles de l'histoire. On a un ouvrage qui a été donc découvert et qui est entièrement consacré à cette question, qui est le fameux ouvrage des Jubilés. Le Jubilé définissant un cycle.
Et alors le monde entier fonctionne sur des cycles de jubilé. Le judaïsme ésotérique est à fond dans cette voie-là, sauf que justement, ceux qui réfléchissaient trop à des cycles ont été, entre guillemets, excommuniés. Et donc le rabbinisme post-chrétien a mis le frein maximum à toutes les réflexions cycliques. Néanmoins, dans la Mishnah, il reste un dit de rabbin qui rappelle que Dieu a créé plusieurs mondes avant celui qui est raconté dans la Bible. Le dit des rabbins dit que Dieu a créé plusieurs mondes et qu'il les a détruits les uns après les autres parce qu'il ne lui plaisait pas avant de choisir celui-là. Vous sentez bien que c'est assez pauvre du point de vue théologique. Mais c'est très intéressant que ce dit soit resté jusqu'à la Mishnah. Ça implique que dans le passé, il y a eu véritablement méditation théologique sur la cyclicité de la civilisation et la cyclicité du cosmos. Cette cyclicité est encore présente dans la Bible. Un jour, peut-être, je vous en dirai plus. Mais pour l'instant, retenons que, de fait, la Bible, elle, est presque muette sur la cyclicité. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons l'Adam historique pour l'Adam prototypique. C'est l'Adam théologique. Mais il n'est pas sûr que ce soit là le sens même de ce que la Bible veut dire. Et donc, puisque nous n'en sommes pas sûrs, eh bien, nous considérons que l'Adam théologique, le premier homme, est pour nous un mystère de foi irreprésentable, que nous renvoyons à la nuit des temps, et de toute façon, ça ne change rien, puisque c'est comme ça que l'on vit tous les jours. En revanche, l'Adam de la Bible, c'est un Adam qui apparaît au 6e millénaire dans un contexte civilisationnel tout à fait cohérent avec ce que dit la Bible. Et donc c'est un être, un homme, qui va émerger comme ce qu'on va appeler plus tard comme peuple dominant. Il faut le savoir, l'histoire de l'humanité est liée à la succession de peuples dominants. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, des hommes sont différents des autres et supplantent tout le monde. Et c'est le cas, tout simplement, d'Adam et Ève. Ils sont doués donc de techniques qui leur permettent immédiatement d'être à l'origine de la civilisation urbaine et, oserais-je dire, industrielle, dont nous-mêmes nous procédons. Et surtout, sans doute, ce sont eux qui rencontrent Dieu de manière nouvelle et qu'ils deviennent les messagers, les portateurs de la révélation de Dieu. Donc ça veut dire que Adam et Ève, si on considère que ce sont des personnes réelles, eh bien ce sont, on pourrait les qualifier, des mystiques. Un homme et une femme, une famille, une tribu et un peuple qui a fait une rencontre avec le Dieu qui se révèle. Et qu'à partir d'eux, eh bien, c'est un cycle à la fois révélationnel et civilisationnel qui démarre. Et la Bible ne veut pas dire autre chose que ça. Et elle prétend que le peuple hébreu est dépositaire, après bien des tribulations et des décadences, de ce mouvement qui a été initié avec Adam et Ève. Alors je vous rappelle que si Adam et Ève sont du 6e millénaire, ils sont donc tributaires de ce qui s'est passé avant eux, donc
de la période néolithique. Comme je l'ai dit, pendant cette période-là, d'après donc la chronologie scientifique, a eu lieu, proprement dit, la naissance de la culture de l'élevage. Et puis après, contemporainement à Adam et Ève, la naissance de la métallurgie. Sachez qu'aujourd'hui, la période néolithique donc, constitue ce qu'on appelle le moment de la révolution néolithique, et donc divisée en deux périodes, la période acéramique et la période céramique, c'est la période où il y a des poteries et la période où il n'y en a pas. Et Göbekli-Tepe, il n'y a pas de poterie, donc c'est acéramique, agricole et élevage. Et pourtant, ils construisent des mégapoles, on se demande bien pourquoi. Donc, ça veut dire qu'il se passait plein de choses. Il se passait plein de choses au niveau de l'esprit. Et pourtant, ils ne faisaient pas de poterie. Ils ne mettaient pas de l'eau dans un vase. Et pourtant, ils construisaient des mégapoles pour adorer Dieu. Donc, les peuples du néolithique, c'est pour nous un grand mystère. D'après aussi la science génétique moderne, je ne suis pas généticien, mais normalement, c'est la période, paraît-il, où naît l'homme blanc. Et oui, l'homme blanc n'a que 10 000 ans. Blonds, yeux bleus et blancs, ça, c'est pas avant 10 000 ans, paraît-il. De même, sachez que la science a aussi démontré que nous tous, nous sommes des variations d'un même thème. Nous sommes des variations génétiques d'une même séquence d'ADN. Et si on fait l'arbre de dérivation, selon les calculs, ou bien vous remontez à 100 000, ce qui n'est pas beaucoup, par rapport au schéma scientifique qui s'élève au moins au million, mais surtout, selon un schéma strict, ça ne remonte pas plus haut que 10 000. C'est pourquoi on parle de l'Adam chromosomique, puisque les hommes se transmettent une molécule qui leur est propre, et on parle de la lèvre mitochondriale, parce qu'elle aussi se transmet une cellule, pour le coup, c'est pas seulement propre. Et donc, à partir des dérivations, on voit que toutes les femmes dérive d'une unique femme et que tous les hommes dérivent d'un unique homme. Et selon le schéma de variation de l'ADN le plus strict, eh bien on ne monte pas plus haut que 10 000. Autrement dit, juste autour de 10 000, il s'est passé beaucoup de choses. Autre exemple aussi, puisque ça concerne certains d'entre nous, on ne peut boire du lait que depuis aussi 10 000. La molécule qui permet aujourd'hui d'analyser et synthétiser le lait date de cette même époque. Avant, au néolithique, ils buvaient un verre de lait et crevaient, pour direct. Et on arrive maintenant à découvrir plein de choses, puisque nos anticorps ne datent pas de temps de millénaires. Parce que au début du néolithique, la première période, il n'y avait pas de maladie et il n'y avait pas d'anticorps. Donc vous découvrez des corps avec un état particulier qui permet de savoir qu'il ne mangeait pas de ça et qu'il mourait s'il mangeait d'une certaine chose. Et il a fallu un changement génétique pour que, notamment, on puisse ingurgiter du lait. Donc le blé, le lait, etc. Tout ça, c'est la même période. La peau blanche, les yeux bleus, à partir du 10e siècle. Et donc Adam participe à ça. Il faudrait donc ajouter que Adam, en plus d'être un produit du néolithique, est un mystique qui rencontre Dieu et qui va transmettre une nouvelle démarche de révélation de Dieu à l'humanité à venir. Ça, c'est donc pour ce qui est de la représentation chronologique de Adam et Ève, d'après quelques données bibliques mises dans leur contexte historique.
Mais vous savez aussi, comme moi, que le jardin d'Éden est situé à un endroit géographique assez bien défini. Je vous rappelle ce que nous dit la Bible à ce sujet. C'est trop connu, mais qu'importe. Il faut s'y arrêter. Un petit peu d'hébreu pour la couleur locale. Vayitzer Yehovah Elohim et Adam. Et donc Dieu, Azonai, façonna l'Adam. Afar. Poussière. Minha Adama. Donc Adam est poussière de l'Adam. Un sujet important, parce que vous savez que pour nous, ce n'est pas possible. Puisque les êtres dérivent d'être déjà organisés. On dérive tous d'être vivant. L'œuf vient de l'œuf. Le vivant ne peut pas normalement sortir de la matière brute. Mais ici, il y aurait des choses à dire, mais une autre fois. Voyi, pah ! Et il souffla, bah, à paouf, dans son nez, dans ses faces, littéralement. Nishmaf Chaim, une haleine de vie. Voyi, ha, azam. Et alors Adam fut l'enefesh chaya, une âme vivante. Notez que dans ce texte, à part le fait que Dieu tire Adam justement de la matière brute et non pas d'un autre vivant, à part ce fait-là, en tout cas dans ce récit-là, Dieu ne distingue pas l'homme des autres animaux, puisque tous les autres animaux sont des âmes vivantes. Parce que ceux qui veulent dire que Nishmat Hayim, ça veut dire un esprit différent de l'âme, c'est des interprétations. Le texte, lui, est plutôt plat, plutôt tend à l'homogénéisation. En tout cas, celui-là. Wayita, et il planta. Adonai Elohim, Dieu Adonai, Gan Be Eden, un jardin à Éden, ou dans Éden. Gan de Eden. Alors là, évidemment, Gan, ça veut dire un jardin, c'est le sens obvious du terme. Mais Gan, ça veut dire jardin dans un sens très précis, ça veut dire exactement enclos. C'est-à-dire que la racine du mot vise la clôture qui circonscrit un espace. Donc le jardin en question est surtout un enclos. La phrase c'est « Il planta donc un enclos dans Éden ». Quand on lit la phrase, cela suppose que l'auteur connaît Éden et s'adresse à un auditeur qui connaît Éden. C'est comme si je disais, j'avais planté un jardin à Meudon. C'est que Éden ici est un nom propre, c'est pas un nom commun. Ce qui bien sûr pose problème. Alors le terme hébreu c'est Éden avec une gutturale. Et le sens qui est passé dans la suite, c'est le délice. Donc, évidemment, on peut traduire un jardin dans le délice. Bon. Mais en fait, évidemment, c'est une métaphore. Avant de signifier le délice, ça signifie le jardin de Éden. Et donc, Éden, si on le considère comme lieu, un nom propre, eh bien, nous devons normalement, nous, savoir de quoi on parle. Il est vrai que ceux qui ceux qui interprètent le texte souvent diront mais c'est un lieu qu'on ne peut plus connaître puisque d'abord ça fait très longtemps, ensuite d'après la Bible il y a eu le déluge qui a cassé la croûte terrestre, qui a raviné les montagnes, qui a provoqué un tel désastre
que la géographie de la Terre ne correspond en aucune façon à l'état de la Terre lorsque Dieu créa Adam et Ève. Alors cette lecture-là fondamentaliste est amusante et intéressante, sauf que l'auteur, lui, il s'adresse à des gens qui sont supposés le comprendre. Est-ce que donc nous savons où est Éden ? Éden ou Éden ? Eh bien, figurez-vous un peu. En effet, Éden est un terme qui existe dans les langues de Sumer et de Akkad. Et Éden, au sens large du terme, ça veut dire la plaine. Donc, normalement, il faudrait traduire « Et Dieu planta un enclos dans la plaine. » Ou « dans plaine ».« Dans plaine ». « Plaine » étant nom propre. D'après nos connaissances topographiques actuelles, de topographique d'une part et épigraphique d'autre part, c'est-à-dire quand les anciens parlent-ils de l'Éden, parlent-ils d'un lieu qui parle Éden, eh bien nous savons qu'il s'agit d'une région qui se situe au nord du Levant et qui est proche des deux lacs de l'Arménie que sont le lac Urmia et le lac qui m'échappe le deuxième. Dans ces lacs-là, effectivement, nous savons que des empereurs d'antan, Van à gauche et Urmia à droite, nous savons que Sargon, Ashar Adon et l'auteur mythique Enmerkar sont allés dans ces endroits et qui l'ont appelé Éden. Même si c'est un terme qu'ils utilisent eux, à la fois comme nom propre et comme nom commun. De fait, dans ces régions-là, il y a encore des villes qui s'appellent, une ville qui s'appelle Maïdan, qui comme a donné en arabe, Midan. Je rappelle que tous ces termes-là sont pour les Arabes d'abord des termes perses. Et donc, dans cette région-là, effectivement, il y a une concentration de l'intérêt des auteurs anciens pour une certaine plaine, Éden, qui porte ce nom-là, ou en tout cas focalise l'intérêt. Et donc, si l'auteur qui écrit ce texte s'adressait à un auditoire qui le comprenait, lorsqu'il utilise Éden comme nom propre, eh bien, il y a des fortes suppositions qu'il parlait de ce lieu. Le texte dit donc « Dieu planta une clôture à Éden, Mikredem, vers l'Orient. » Par rapport à un lecteur de la Bible, il s'agit de l'Orient par rapport au Moyen-Orient. Donc, on est bien dans la région de la mer Caspienne et de la mer Noire. Washam Yesam et Adam Ashaditsa. Et c'est là qu'il déposa le Adam qu'il avait façonné. Vayitzma Yehova Elohim Adama. Et Dieu, Adonai, fit bourgeonner la terre, Mikolatz Nehmad, de tous les arbres désirables, Omar El Hatov, et de belle vue, Olema Achal, et pour la nourriture, et l'arbre de la vie au milieu, Hagan, au milieu de l'enclos, il y avait l'arbre de la vie, Veretz Hadaran Tovora, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notez que la phrase, c'est que au milieu de l'enclos, il y a deux arbres. Certains commentateurs juifs considèrent que
c'est tellement problématique qu'ils mettent l'arbre enlacé l'un dans l'autre. C'est-à-dire que le milieu est un seul milieu pour les deux arbres. Alors que nous verrons dans les représentations anciennes, ces deux arbres un peu séparés quand même. Mais les Juifs souvent se représentent donc l'arbre de la vie entouré de l'arbre de la connaissance. Et Venahar Yotse Me'eden, et un fleuve sort de Eden, le Ashkoz et Hagan, pour arroser. Ouais. En arabe, en hébreu, c'est vraiment pour arroser le jardin. Effectivement, la région de Eden, si c'est la région qui se trouve dans l'ancienne Arménie, il y a bien effectivement des fleuves, d'abord il y en a plein bien sûr, mais il y en a surtout un au milieu du Maïdan, de la région que les Perses appellent Maïdan. Au Misham, Yifared Haya, les Arba Rachos. Et de là, se sépare en quatre têtes. Notez bien que le mot c'est Rachim. Rachim. Pardon, j'ai dit Rachos, mais c'était Rachim. Rachim, en quatre têtes. C'est-à-dire que le fleuve principal part en quatre fleuves. Parce que la tête, c'est pas la queue, hein. Donc la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire quatre sources. Alors, c'est très important parce que notre représentation traditionnelle, c'est de s'imaginer un fleuve et puis à partir de là partent quatre bras, par exemple. Souvent, c'est une fontaine avec quatre dans nos représentations médiévales. Et ce n'est pas très juste puisqu'il parle de quatre sources. Or, de quel fleuve s'agit-il? Eh bien, c'est bien connu. C'est le Pishon, le Gihon, le Tigre et le Frat. Et donc, si c'est le cas, eh bien alors, on sait très bien dans quelle région nous nous trouvons. Parce que les sources du Tigre et de l'Euphrate, nous savons où elles sont. Les sources du Tigre et de l'Euphrate sont exactement à l'ouest du lac de Van. Et donc il n'y a pour le coup aucun doute sur le lieu de l'Éden. L'Éden, le Gan est à l'est de l'Éden, c'est-à-dire de la grande plaine, où il y a un fleuve, effectivement il y en a un, qui s'appelle Agishai, et c'est à partir de là qu'il y a quatre sources. Donc les sources du Tibre, les sources de l'Euphrate, qui sont à l'ouest. Et qu'en est-il alors du Pishon et du Gihon? Eh bien, le texte nous dit ceci. Le nom du premier était Pishon, et c'est lui qui entoure toute la terre de Havila, dans laquelle il y a de l'or. Alors, dans la tradition, on a recherché beaucoup, il y a eu plusieurs solutions. Quel est ce fleuve Pishon? Et quelle est la région Havila? Et où y a-t-il de l'or? Eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Sauf que, en général, on a considéré que c'est une des suppositions que l'on entend, soit chez les anciens, soit chez les modernes, que ce serait le Gange. Le problème, c'est qu'au Gange, il n'y a pas du tout d'or et il n'y a aucune région qui s'appelle Havila. D'accord. Or, l'or, si on le situe au 6e millénaire, etc., eh bien, toute la métallurgie était au nord de l'Orient. Et sachez que les grandes sources d'or étaient justement dans la région de Perse actuelle. La région Havila, pour l'instant, est introuvable. Sachez qu'on a beau chercher, on ne sait pas. En revanche, le fleuve Pishon, aujourd'hui, existerait, donc, si c'est bien lui, sous le nom de Yuzon. Voilà.
Dans cette région-là, il y avait bien sûr plein d'or. Jusqu'à maintenant, sachez qu'on continue à extraire de l'or de ces régions-là. L'Iran est très riche en minéraux précieux à cet endroit. Et donc, on aurait une source qui se trouve pas loin eh bien, des autres sources, celle du Tigre et de l'Euphrate. Le deuxième fleuve, c'est Gihon. Et lui aussi entoure toute la terre de Cush. Alors Cush, tout le monde connaît, c'est normalement l'Éthiopie. Et donc on pensait que c'était le Nil. C'est une des solutions, chez Flavius Joseph ou d'autres. Mais en réalité, ce n'est pas la bonne solution, parce que l'Éthiopie s'appelle Cush, mais on n'est pas sûr qu'elle s'est jamais appelée dans l'Antiquité Cush. Il semblerait que ce soit l'inverse. Enfin, je ne veux pas m'énerver sur l'origine de Cush. En tout cas, dans la même région du Tigre et de l'Euphrate et du Yuzion, la région juste au-dessus s'appelle depuis toujours Cus. En latin, Cusia, Cush. Et le fleuve, c'est vrai aujourd'hui, le fleuve, il s'appelle Arax. Mais on a des témoignages médiévaux qui nous assurent que les Arabes, encore au Moyen-Âge, appelaient ce fleuve Gihon. Et c'est connu. C'était connu des historiens encore il n'y a pas longtemps. Et donc, semble-t-il, le Gihon, c'est tout simplement l'actuel Arax, qui lui aussi a sa source au-dessus du lac de Van, et qui coule dans une région qui est connue comme dans l'Antiquité, on l'appelait la Cossia. Et donc, ça me semble ce qu'il y a de plus raisonnable, le jardin d'Éden, le lieu où Adam a surgi, eh bien, ne serait rien d'autre que la région dite de l'ancienne Arménie, la Grande Arménie. Celle située entre les deux lacs, fameux lac Urmia et lac Van, autour desquels, effectivement, surgissent les quatre sources des quatre fleuves, Tigre, Euphrate, Gihon et Pishon. Puisque soi-disant le Gan est à droite, est à l'est, alors ça voudrait dire qu'il serait plutôt à l'est du lac Urmia. Cette région-là est effectivement la région d'où on a trouvé la plus ancienne attestation de l'élevage, de l'agriculture et de la métallurgie. À ce sujet, d'ailleurs, le texte dit, quand il parle du Gihon, ah non, c'était toujours le Pishon, il parle de l'or, et il dit, d'ailleurs, l'or de cette terre est très bon, et là aussi se trouve alors le terme c'est Bezolar en hébreu, en français c'est Bdelom, autrement dit c'est le même mot. Wa, et c'est très important, Wa Even Hasoham, et la pierre de Soham. On ne sait pas ce que c'est cette pierre-là, mais semble-t-il, cette fameuse pierre, c'est la pierre que nous appelons lapis lazuli, la pierre bleue. Or là, pour le coup, c'est simple. Il n'y a qu'une seule source de lapis lazuli dans le monde entier. C'est ici. Et un peu plus, au-dessus de la mer Caspienne. Et la mer Noire. C'est le seul endroit. Il y a seulement depuis 2 siècles que l'on extrait du lapis lazuli du Chili. Mais avant le 19e siècle, la seule source de lapis lazuli, c'est cette région. Or, le lapis lazuli, c'était pour les anciens, avec l'or, des pierres divines. Ça veut dire que toute l'Égypte s'est fournie au Caucase. Toute la Mésopotamie s'est fournie au Caucase. Et toutes les grandes civilisations sont allées chercher de tout là-haut la pierre des dieux, qui est la pierre bleue, et la chair des dieux, qui est l'or. Et l'or, alors l'or, il y en a, c'est pas le seul endroit où on trouve de l'or, mais c'est un lieu qui est aussi riche en or. Et donc si vraiment
le jardin d'Éden se trouve là où se trouve la pierre lapis lazuli, eh bien, il n'y a pas à chercher ailleurs qu'en Arménie et peut-être un peu plus haut, dans le Caucase. L'endroit où Adam et Ève ont vécu. Et cet endroit-là, archéologiquement parlant, c'est effectivement le lieu de l'invention, de l'agriculture, de l'élevage et de la métallurgie. Et donc Adam et Ève sont situés dans un contexte géographique tout à fait conforme au chalcolithique, c'est-à-dire au 6e millénaire. Alors évidemment, la Bible, sur toutes ces informations-là, donne un témoignage direct. Un témoignage direct, mais qui se trouve aussi confirmé par le témoignage indirect, dont peut-être finalement elle ne fait qu'en être l'écho. La question est de savoir, est-ce que la Bible est la source de ces informations, ou est-ce que la Bible elle-même récupère des informations d'autres personnes. Or justement, la Bible insiste sur le fait que d'Adam, eh bien, sont nées les civilisations qui ont suivi. Et la civilisation qui suit juste après Adam et Ève, c'est la fameuse civilisation qui s'est développée dans la Mésopotamie. Alors, la Bible l'appelle la Mésopotamie Shinar. Mais nous, Shinar, pour nous, c'est la Mésopotamie. Or, la Mésopotamie, c'est pour nous la première civilisation connue. C'est la civilisation de Sumer. Encore que de Sumer, nous n'ayons rien. Sumer, proprement dit, n'a été connu que grâce à la civilisation qui l'a suivie, qui est celle de Akkad. J'ai parlé de Sargon, qui est monté justement dans les régions de l'Éden. Sargon II est le descendant, un peu lointain, de Sargon I, qui est le fondateur de la civilisation akkadienne. Alors, les Akkadiens considéraient que la civilisation venait des Sumériens. Donc c'est grâce à eux que nous possédons les écrits. Et plus tard, les Babyloniens eux-mêmes considéraient que les Sumériens étaient les pères de la civilisation. Notamment le fameux Hammurabi, c'est lui qui a compilé une vaste bibliothèque dans une langue qu'il ne comprenait plus. Enfin, il la comprenait, mais qu'il ne la parlait plus. Donc les Akkadiens ont copié le Sumérien, les Babyloniens ont copié les Akkadiens et les Sumériens, et c'est comme ça que nous avons des textes. Tous ces gens-là, eh bien, considéraient eux-mêmes, donc les Sumériens, qu'ils venaient du Nord. Et donc le point de départ de la civilisation sumérienne, mésopotamienne et donc biblique, puisque selon la Bible nous venons tous de Mésopotamie, eh bien ce n'est rien d'autre que la région du Bas-Caucase, la région de la Haute-Arménie, cette région qui se trouve autour des lacs Van et Urmia. Et donc c'est la région du nord du Levant, qui est considérée comme la source de la révélation religieuse et de la civilisation. Par exemple, une fameuse épopée, alors je vous ai mis un texte, hein, tout ça c'est écrit en très petit, je sais bien, une épopée d'un certain Enmerkar. Enmerkar est un personnage mythique, mais très important, on verra qu'il n'est pas tout à fait mythique. Enmerkar est un fondateur d'une ville dans le sud. C'est la ville de Eridu et de Uruk, ce sont des villes qu'il rebâtit. Et comme il veut que sa ville soit le centre du monde, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va chercher les dieux. Et où se trouvent les dieux? Tout en. Et donc, il monte dans la région que lui appelle l'Ararat, Arrata, Arrata. Et on sait par ailleurs que Arata c'est la même chose que Ur-Artu, et que Ur-Artu c'est la même chose que Urmia, c'est-à-dire l'Arménie. Ur, à chaque fois, Ur ça veut dire la cité ou la fondation. Donc c'est là-bas qu'il va chercher les dieux,
et qui les descend, enfin il descend la reine des lieux, parce qu'il y avait déjà son mari en bas, dont on va parler, mais la reine, elle était encore tout là-haut. Et donc il va descendre la reine des dieux de l'Ararat à Uruk, où il va construire un magnifique sanctuaire pour elle. Donc, l'épopée des Merkar, les passages de Sargon et de Sennachérib nous prouvent que l'ensemble de la Mésopotamie considérait que leur origine religieuse et leur origine civilisationnelle se trouvaient en Arménie. Mais dans la Bible aussi, figurez-vous, on a deux textes étranges sur le jardin d'Éden où il est dit de l'Éden la même chose. On a un texte d'Ézéchiel et un texte d'Isaïe. Ézéchiel est en train de pérorer contre Tyr et Sidon et lui rappelle que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, donc le lieu des pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx. Vous voyez, onyx, et le mot en hébreu c'est soham. Eux ils mettent onyx, mais c'est peut-être lapis lazuli, selon les traductions. De jaspe, de sapphire, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambours et tes flûtes étaient au service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Pierres de feu, ça renvoie à un terrain volcanique. Autrement dit, l'Éden. Pourtant, Éden, ça veut dire plaine. Mais en réalité, le contexte est montagneux. C'est justement, le Gan veut dire la clôture. L'enclos. Autrement dit, l'Éden, c'est une plaine sans doute, mais encaissée de montagnes. De montagnes avec les fameuses pierres précieuses et avec aussi des volcans. Or ça, il n'y en a pas 36 hein, des montagnes dans tout le Levant. Il y a ou le Liban ou le Caucase. Voilà, c'est fini. Mais comme on n'est pas du tout du côté du Liban, là, on est... qui même monte pas très haut, monte à peine à 3000 pour le Liban. Le Caucase, c'est 7000. Hein. Enfin, le Caucase, c'est 5000. Et au milieu, vous avez l'Ararat qui est 7000. Donc, l'Ararat, c'est vraiment un cône blanc au milieu d'un grand plateau. Avec le mont Liban un peu plus haut, et puis après, le Caucase. Et donc, on voit bien que Ézéchiel a une représentation de l'Éden comme eh bien, une plaine encaissée de montagnes à la fois volcaniques et sources de métallurgie et qui se trouve bien sûr sans doute pas dans la basse Mésopotamie ni encore en Syrie ni sur le bord de la mer. Et Isaïe assure la même chose, de même il critique, je ne me souviens plus lequel, que tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je m'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, alors ça c'est très important, à l'extrémité du nord, Tsafon. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le Sheol à l'extrémité de la fosse. Alors, la montagne de l'Assemblée, c'est la montagne des dieux. C'est la montagne des dieux, pas seulement des dieux, mais surtout des êtres primordiaux. Des morts, si vous voulez. Mais pas les morts banaux. Les morts des origines. Et il en est pareil, il en est de même de Sumer. Sumer appelait la région de tout là-haut, la région de l'Ararat et de l'Arménie, le pays des vivants. Et la reine mère, la déesse mère, qui se trouvait tout là-haut, et que Enmerkar est allé chercher pour la faire descendre à Uruk, en basse Mésopotamie, qui en sumérien s'appelle Ninhursag,
avec comme titre la mère des vivants, qui est le titre même que Adam donne à Ève. Et là, ça ne veut pas du tout dire que Ève est la mère des vivants, même si vous pouvez théologiser autant que vous voulez. Ça veut dire simplement qu'il appelle sa femme du nom de la déesse, il lui donne le nom de déesse mère, c'est-à-dire la mère des vivants. Et dans les épopées de Gilgamesh et d'autres, le pays des vivants, c'est l'Ararat. Et le pays des vivants, c'est un pays où il y a les dieux et il y a les êtres divinisés. Les êtres divinisés. Dans l'épopée de Gilgamesh, il va chercher un certain Unapishtim qui est l'équivalent de Noé, lequel est éternel, vit dans le pays des vivants de manière éternelle, avec sa femme d'ailleurs. Ils sont tous les deux devenus éternels. Autrement dit, la Bible nous pousse vers le nord, les Sumériens nous poussent vers le nord, et tout ça correspond parfaitement aux quatre sources des fleuves. Et donc géographiquement, il y a vraiment, vraiment peu de raisons de ne pas accepter, et que ce soit l'Arménie, tout simplement, qui est l'origine de toute l'humanité, mes chers amis. L'origine, le point de départ, du cycle civilisationnel dont nous-mêmes nous sommes les héritiers. Que c'est de là-bas que vient Adam et Ève et compagnie, et que c'est de là-bas qu'ils sont descendus tout doucement. Alors, au calcolithique, on arrive à suivre à peu près le mouvement des peuples. Je vous ai mis la carte. C'est la carte de dérivation des poteries du calcolithique, parce qu'il y avait, rappelez-vous que le néolithique B est céramique, donc il y a d'autres poteries avant, mais celles qui arrivent à Sumer, eh bien elles ont leur origine où? Eh bien à un lieu qu'on appelle Tepe Siak. C'est normalement, d'après les études, l'origine. Alors, Tepe Siak, c'est, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, c'est à votre droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Adam et Ève étaient à droite du lac Urmia, ils sont descendus par la montagne vers l'Iran, et une fois qu'ils étaient c'est le Zagros, en plein milieu du Zagros, eh bien, on arrive à trouver. Vous voyez qu'elle est plutôt belle. Je vous ai mis une petite image de la poterie. C'est quand même pas. C'est pas un petit bol, hein. C'est quelque chose. Il y a un bec. Il y a des dessins dessus. Alors, je l'ai mise toute petite, mais c'est pas le premier niveau de poterie, hein. Eh bien, néanmoins, c'est de cette poterie-là que l'on sait que toutes les autres poteries vont venir. Ils vont donc. Ils sont descendus de l'est du lac Urmia. Ils se sont installés dans le Zagros. À propos, lorsque Cain est chassé, il est chassé à l'est de l'Éden, et il va dans un pays qu'on appelle Nod. Or, ça aussi, ce pays de Nod, on le connaît. La topographie nous donne. Donc, c'est bien ce mouvement-là qui s'est passé. De l'est de Urmia au pays de Nod, ils sont descendus aux Zagros, et là, eh bien, on a les fameuses poteries de Tepe Siak, à partir duquel, eh bien, ils sont descendus à Sumer, mais d'autres sont remontés, et puis d'autres ensuite ont repris la voie vers la Syrie. Vers la Syrie, c'est-à-dire pour l'ouest des deux lacs. Donc, un mouvement général de l'humanité, comme il est décrit dans la Bible, c'est-à-dire un point de départ en Arménie, une descente à Sumer, en longeant le Zagros, eh bien c'est attesté globalement par l'archéologie, ici particulièrement la dérivation des poteries.
Et donc l'image que la Bible donne du jardin d'Éden au sixième millénaire est tout à fait raisonnable. Maintenant, cette image, c'est l'image purement factuelle. Derrière les faits, il y a tout le symbolisme spirituel que la Bible rattache au jardin d'Éden. Évidemment, je ne peux pas faire de dérivation archéologique. En revanche, ce que je peux faire, c'est des comparaisons avec la vision que les Sumériens avaient de ce lieu des vivants dont eux-mêmes prétendaient descendre. Je vous ai mis plusieurs images très importantes. Au centre, je vous ai mis quatre glyphes, c'est-à-dire ce sont des sceaux. Ce sont des sceaux qui représentent justement le jardin des vivants, pour ne pas dire jardin d'Éden, pour ne pas bibliser de trop. Mais enfin, quand même, la plus intéressante, c'est évidemment, c'est celle de gauche en bas, qui vous représente deux personnages devant un arbre, avec un drôle de serpent à gauche. À droite, alors, quand ce sceau a été découvert, on l'a tout de suite appelé le sceau de la tentation. Aujourd'hui, les archéologues ne veulent plus entendre parler de ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas trouvé pour l'instant de texte sumérien parlant d'Adam et Ève et parlant de la tentation. Donc pour eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que ça représente à droite, vous avez donc alors, le dieu principal des Sumériens qui s'appelle, alors nous on le prononce et on l'écrit Ea, E-A. Mais le Ea, c'est une écriture conventionnelle. Normalement, c'est Ea. Et Ea, c'est le dieu de la Bible. Toute la Bible ne va parler que d'une seule chose, des révélations de Ea. Alors, Ea, c'est la forme la plus contractée. Après, il y a Yahou, qui est la forme plus allongée. Puis après, il y a encore la forme Yehovah, qui est la forme encore plus développée, mais le Dieu Ea, ce n'est rien d'autre, en tout cas du point de vue du terme, que le Dieu biblique, même si cette équivalence entre Ea et le Ea de la Bible peut être considérée comme purement hasardeuse. Mais enfin, c'est étrange que ça soit si merveilleusement hasardeux. Donc à droite, vous avez Ea, il a des cornes, les cornes signifient qu'il est divinisé, que c'est un dieu, ou il est dieu ou il est divinisé, c'est pareil. L'un et l'autre sont sur des cubes, hein, sur des trônes, donc ça veut dire que ce sont des dieux, ils dirigent le monde. Madame a un petit chapeau, hein, quand même, sans cornes, mais elle pourrait avoir des cornes, vous allez voir. Et au milieu, vous avez quoi ? Vous avez un arbre. Un arbre. Alors, en bas, vous avez, semble-t-il, des sources, mais en bas, vous avez surtout sept branches. À bon entendeur, salut. Et à gauche, vous avez un serpent, manifestement, qui souffle quelque chose aux oreilles de Madame. Madame, c'est Ninhursag, mais qui veut dire rien d'autre que ma dame. Ça veut dire la dame. Ça veut dire la grande dame. Ninhursag. Et donc, il se pourrait bien que ce glyphe ne représente pas du tout Ea et Ninhursag, mais bien Adam et Ève devant l'arbre de la tentation, tout simplement, même si on ne peut pas le démontrer. Je vous ai mis à droite deux chérubins qui protègent un arbre. Alors, vous pouvez l'interpréter de manière biblique, ou vous pouvez refuser, mais vous ne pouvez pas faire autrement que de vous étonner de ces représentations nombreuses d'un arbre de vie avec des anges qui le protègent, qui l'adorent. Au-dessus, vous avez carrément une représentation générale du pays des vivants. Vous avez deux arbres. Alors, vous pourrez dire que c'est de la simple esthétique, mais
c'est quand même deux arbres. Vous avez les montagnes, le fameux gan, la clôture des montagnes autour. Vous avez deux griffons qui sont la même chose que deux chérubins. C'est-à-dire ils n'ont pas des têtes d'hommes, ils ont des têtes de... Le griffon, le chérubin et le sphinx, hein, ce sont des réalités identiques. Donc vous avez deux griffons. Les griffons, vous savez, on les retrouvera dans toute la civilisation minoenne, crétoise. Pourquoi ? Parce que ce sont des Indo-Européens qui descendent du Caucase, mais cette fois-ci, ils y descendent au troisième millénaire. Et vous avez un grand personnage au centre, qui tient les mains des griffons, qui n'est rien d'autre évidemment que le dieu invisible. Pourquoi ? Parce que les antiques, les anciens, adorent trois dieux. Ils adorent une triade. Le dieu transcendant, invisible, qu'ils appellent An, de la racine An qui veut dire très haut, inaccessible. Et puis ensuite, deux dieux. Vous avez Ya et puis Madame. Et Ya est le fils de Anu. Vous avez le père, le fils et Madame. Et le fils, comme il procède du père, il est dans une logique descendante. Et donc le fils habite dans les profondeurs du créé. C'est pourquoi il est représenté avec des os qui surgissent de ses épaules. Il est donc le dieu de l'eau ou des eaux, ou plutôt le dieu des ondes. Entendez par onde la matière primordiale. C'est aussi le dieu des morts, forcément, c'est-à-dire le lieu de l'informe. Et donc il est représenté comme sous le manteau du dieu invisible et avec des eaux qui surgissent. Au-dessus, je vous ai mis la fameuse représentation. Vous avez Ya à droite. Notez une chose, hein. Il grimpe une montagne, donc c'est un dieu des montagnes, Ya. Et en dessous, entre les deux jambes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un agneau. Et à gauche, vous avez Madame. Madame qui est représentée avec des ailes. Elle est associée à l'air. Elle a des cornes, pour le coup. En revanche, au milieu d'eux, vous avez le soleil. Et le soleil qui, avec son couteau, fraye sa voie entre les montagnes. C'est ça que ça représente. Et dans les deux glyphes, vous avez des images d'oiseaux. C'est très important, les oiseaux, c'est un symbole du monde céleste, ce que nous appelons les anges, avec des ailes, tout simplement. C'est le monde invisible et céleste, les intermédiaires, etc. Tous les intermédiaires. Et notez que notre Ya a des poissons, hein, dans les eaux qui surgissent de ces... Donc, poisson, agneau, Ya, ça fait beaucoup, hein, voyez. Tout ça, eh bien, induit une véritable continuité symbolique depuis Sumer jusqu'à nous, les chrétiens. Alors, cette continuité symbolique, vous la considérez comme une continuité révélationnelle ou pas, c'est votre choix. Mais la continuité symbolique est indéniable. Et à droite, pas les deux petites que je vous ai mises en haut, mais à droite, en haut, des quatre, vous avez de nouveau Eya qui est sous les eaux, qui le recouvre complètement, le pauvre. Il est sur son trône, mais il est complètement couvert par les eaux. À gauche, vous avez Anu, le dieu transcendant. Devant lui, vous avez un arbre, encore une fois. Et à droite, vous avez un personnage ailé. Le personnage ailé, vous pouvez ou bien considérer que c'est Madame, la triade féminine, la figure féminine. Je vous rappelle que pour les sémites, l'esprit est féminin. C'est la esprit et non pas le esprit. Vous pouvez considérer que c'est Madame, mais aussi vous pouvez considérer que c'est un être intermédiaire et qu'il a le même graphisme. Dans la mythologie sumérienne, c'est ce qu'on appelle les Anunnaki, c'est-à-dire les ministres, si vous voulez, les descendants de Anu. Donc ce sont des êtres divins qui sont au service du dieu Anu. Et qu'est-ce que vous avez par terre ?
eh bien, vous avez un homme, c'est l'homme qui vous est représenté. D'ailleurs, ils lui ont mis des cornes, c'est-à-dire c'est le premier homme, il va être comme un dieu, il va être divinisé. On dirait un faon qui se lève difficilement. De quoi ? Eh bien, il y a plein de boules autour de lui. Pas de doute que c'est la terre. Hein. C'est la terre. L'image du dieu qui façonne le premier homme avec un tour à potier, c'est de la mythologie sumérienne, à partir de la terre. C'est pour ça que dans nos traductions françaises, souvent, on dit que Adam est surgi de la glaise, alors que l'hébreu ne parle pas de glaise, il parle de poussière, pour être précis. Tout ça pour dire que si les Sumériens se représentaient ça, grosso modo, ils se représentaient la même chose que ce que décrit la Bible. Sorte que, ou bien vous considérez que la Bible emprunte tout à Sumer, ou bien vous considérez que Sumer témoigne au même titre de la Bible d'une même réalité. En Arménie, Adam a été favorisé d'une révélation de Dieu. Il a été doué avec toute sa descendance d'une excellence technique, spirituelle et civilisationnelle qui va en faire le père de tout ce qui viendra après. C'est cela que signifie. À propos du fait qu'il y a un fleuve avec quatre sources, ici ça nous renvoie au fait que le fleuve lui-même, il tombe ou il surgit d'un sous-sol qui est plein d'eau. D'accord ? Donc, Ya, à l'origine de la matière informe, donc la matière à l'état d'eau, et il est dans le sous-sol. En dessous, je vous ai mis les dessins sumériens, c'est-à-dire les pictogrammes, pour deux mots très importants. À gauche, c'est le mot Eden. Et vous voyez que c'est une jarre pleine d'eau. Donc, la représentation de l'Éden pour la Sumer, c'est le lieu où il y a de l'eau. Et à droite, eh bien, vous avez le mot Abzu, d'où vient dans notre propre langue le mot abîme. C'est-à-dire que nous, on a emprunté au grec Abyssos, et Abyssos vient de Abzu, qui est du sumérien. Et Abzu, eh bien, c'est quoi ? C'est justement le fait que il y a un sous-sol qui est un abîme, qui est le lieu des eaux primordiales. Et le graphique de Abzu, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez très bien, c'est une sorte de tour avec une sorte de montagne, autrement dit. Encore une fois, on renvoie à un contexte montagneux. Alors même que l'on désigne quoi ? On désigne ce qui est aqueux et souterrain. C'est quand même étonnant, non ? Donc ça veut dire que l'Abzu original, il n'est pas en basse Mésopotamie ou je ne sais où. Il est dans le pays des montagnes. Or, le pays des montagnes, ben, c'est le Caucase. C'est le Caucase et l'Arménie. Et tout à droite, d'ailleurs, je vous ai mis le plan d'un temple. C'est un temple de l'époque zoroastrique. Donc, c'est plutôt nouveau. Hein, c'est du 9e siècle. Mais vous voyez que c'était un temple qui est tout entier construit pour honorer un abîme, un abzu, c'est-à-dire un accès aux eaux souterraines. Tout ça pour dire que l'Éden de la Bible et l'Éden de Sumer sont très ressemblants et qu'ils se vérifient l'un l'autre pour situer en Arménie un lieu de rencontre et d'origine de la révélation de Dieu pour toute l'humanité. Amen. Amen.